c'est ce bouton-là. The Binding of Isaac, bonjour. Et... Non, on va pas faire continue, c'est un run CD que j'ai testé pour tester un truc. Donc, comme je le disais la dernière fois, je suis remort avec Eden. J'en ai remarre. On va faire des run Isaac, et quand je mourrai, même si c'est la première fois, je fais le jet avec les mains, je passerai au personnage suivant, et ainsi de suite. Donc on va voir combien on peut faire de runs consécutifs avec Isaac en hard mode victorieux. Ça va changer un peu, mais c'est pas grave. Apparemment, 0. Non, je déconne. On va au moins pas mourir dans la première salle avec 3 mouches. Alors je rappelle qu'on a Isaac, sa particularité est d'avoir le D6 et d'avoir des boss très cons dans les premières salles. Très con parce qu'il est dans le feu. Là on va le laisser y aller dans le feu. Si ça lui fait plaisir. Ouais, je ne suis pas contre un rayon. Allez. Allez, on va éteindre le dernier, mais c'est bien parce que c'est toi. Oula. Le feu rouge, ça fait mal. Contrairement au feu pas rouge. Oula. On a bien de la chance en ce début de run. Alors, le miroir. Non, je n'en veux pas. Non, j'en veux pas non plus. Ça, c'est pas mal. C'est pas la pilule la plus utile du monde, mais c'est pas mal. Au moins, ça sert à quelque chose. Après, le miroir, c'est rigolo, mais... Quand un item t'inspire tout au plus... C'est pas l'item. Après, il y a des jours, peut-être, hein, mais je suis pas d'humeur à me prendre mes larmes dans la figure. Surtout si je finis par avoir un effet rigolo qui explose. Olé. Voilà. Ok, j'ai failli m'en prendre une. Toi, on va te tuer parce que t'as essayé de faire pareil. Et... il nous reste une bombe. On peut tenter une salle secrète... là-haut. Là-haut, sur la montagne. Le placement des salles secrètes échappe. Larry Junior. Pour le coup, j'aurais bien aimé garder une petite bombinette. Oui, je ne bouge pas parce qu'ils se mettent devant mes tirs, donc j'ai pas de raison de me fatiguer. Ah, par contre, va falloir se fatiguer un peu. Olé. Hop là. Ah, Larry Junior. Larry. Olé, tu as cru, hein? Est-ce qu'on veut des HP? On veut ça plutôt. Ouais, les HP, c'est surfait. Prochain étage. On est un peu lent, mais c'est pas grave. Vu qu'on n'est pas pressé. Oh, Tech Point 5. C'est tentant de pas le prendre. Les clous, par contre. C'est pas Tech Point 5, d'ailleurs, c'est Tech 2. Tech 2. Et Tech 2, c'est pas tentant du tout de le prendre. Vous avez vu ça. Cette stratégie du placement de la bombe, quoi. La troll bombe qui s'est faite envoyer sur l'ennemi. Sur les ennemis. Parce que sur un seul, ça aurait pas été impressionnant. Tap. Ok, on va attendre qu'il soit dans une meilleure disposition. Là, c'était presque pas mal. Là, c'est bien. Ok. Parfait! Par contre, Burning Basement, à la fin, c'est fatigant au niveau puzzle. C'est limite comme Curse of Darkness, mais pire. Destruction. Oh, des sous. Donc le boss, il est là. Est-ce qu'on va au magasin? Non, parce qu'on n'a pas de clé. Et pas de bombe, d'ailleurs. Et de l'argent, mais ça ne sert à rien. Chariot, plus utile que tout l'else. Littlehorn. Là. Approche-toi.
Sérieusement, sérieusement. Le truc il s'est mis dans le vide, quoi. Il ne bougeait plus, hein. Et normalement il rebondit dans tous les sens, mais là non, il était calé, quoi. Bon, peut-être parce qu'il avait fait de peur aussi. Mais c'est un boss, il faut pas avoir peur. Magic Ice Ball, Speed Up, Tower et... Oh. Alors on va prendre The Pact. J'ai marché dans les pics. Bon ben... Non. Il me semblait que le pack nous donnait de la vie au passage, mais bon, apparemment je me suis trompé. Bon, Isaac 0, c'est mon record actuel. Maggie, j'ai pas envie de faire une série de run Maggie pour être honnête, mais bon, si ça marche. Voyons voir ce que ça donne. C'est quoi ça? Non, on va pas. Un jour on fera peut-être un run avec le D7, mais. Ce jour n'est pas arrivé. Ok, je sais qu'on peut toucher ça normalement. Voilà, et que avec un peu de bol. Avec un peu de bol. Non, ça veut pas. Bon, c'est pas grave. Le bol, on l'avait pour. Ok. Oh. Comme t'es vachement dangereusement près du bord, toi. Ouais, le temps de faire les phrases, la situation n'est plus vraie, mais écoutez, je fais ce que je peux, moi. J'ai un cerveau qui travaille à la vitesse qui est la sienne. Oh. Ah, là, j'avais pas trop de choix. Mais ce n'est pas grave, c'est le premier étage, nous ne craignons rien ni personne. Et on a Youmark, donc chargé. Ah, d'ailleurs, hop. Même si c'est que pour un demi-cœur, il va gagner une nouvelle charge, deux charges à la fin de la salle. Ça aurait été dommage de pas en profiter. Hop là. Donc le magasin là avec un centime. Ouais, hein. Il paraît que le problème de Maggie, c'est qu'elle a pas beaucoup de vitesse. Ça va. La Little Orb. Mais qu'est-ce qu'il fout là? On vient de le tuer. Dans une autre vie. Va dans le feu, va dans le feu. Vas-y, va encore dans le feu. C'est bon le feu. Non, pas le. Il va éteindre. Ah, puis je le pousse dessus. Il éteint tous les feux. Je crois qu'il aimait ça le feu. À le voir se baigner dedans comme ça. Allez! Donc, je disais, le problème de Maggie, c'est la vitesse, mais on vient de prendre Experimental Treatment qui m'a donné de la vitesse. Et peut-être qu'il m'a baissé mes dégâts aussi. Nous verrons bien. Ouais, ça a pas l'air fantastique, hein, mais bon. Ça va les augmenter. Oh, un coffre. Un coffre que, pour y aller, ça me coûterait une bombe et une clé. Et j'ai déjà ouvert mon item room, mais j'ai pas d'argent. On va faire l'effort. Là. Et il se referme, et j'ai plus de clé. Et il m'a donné Suicide King. La carte la plus... Il y a des combats dans cet étage, ou c'est juste une illusion? Cet étage, c'est un rêve. Il n'existe pas. Oh, bordel. J'ai pas envie que le champion me touche. Merci. Oh, il fait du sacrifice. Quel dommage qu'on ne soit pas dans un mode où on a quelque chose à faire avec. Après, si on trouve plein de vie, on peut peut-être venir se faire 7 coups pour... Ça peut peut-être être intéressant. Hein. J'ai pas de bombe. Là, je regrette d'avoir ouvert le coffre qui m'a donné Suicide King. La carte, elle est pas totalement inutile. Elle est peu utile. On va dire. Le problème de Suicide King, c'est qu'elle ne marche que si tu as de quoi ressusciter. Sinon, c'est un vrai suicide. Et les vrais suicides, ça tend à être définitif.
Quand tu utilises, ça efface le jeu, ça formate ton disque dur et ça... Non. Je pense que ce serait mesquin. Ah, j'ai marché dedans. Vous savez quoi, on a 1, 2, 3, 4, 5 coups pour la salle du sacrifice. Si on arrivait à monter à 7, ce serait classe. On va faire le boss déjà pour avoir un deal éventuellement. Honnêtement, je préfère un deal with the devil avec une salle d'ange. Une salle d'ange. Surtout quand on a plein d'HP comme ça. Alors, tears up, ça, ça c'est bon, non? Et donc, le pacte, est-ce que ça me donne pas de la vie normalement le pacte? Si, carrément! Pourquoi je suis mort tout à l'heure? Là, je suis mort avant de le prendre, quoi. Alors que je l'avais pris. Ça m'a enlevé les HP, ça me les avait pas donné. C'est un scandale. Et est-ce qu'on prend ça? Oui, le... Donc, du coup, la salle du sacrifice, ça la met sur l'oreille. Bah oui! T'as plus de vie, plus assez de vie pour le faire. Mais... D'un autre côté, on doit avec The Pact. Être un poil plus efficace en termes de violence gratuite. Et je sais tout. Je suis en train de me demander, lui il va se dédoubler, c'est ça? Il va exploser. Il en met dans tous les deux partout. Ah, une salle d'Isaac, une chambre d'Isaac. Ah, là par contre, ouais, on est efficace. Je me prends des dégâts très bêtes parce que je fonce dans les tirs, mais on est efficace. Contre, ils sont... On n'est pas si efficace que ça, attendez. Après, j'ai peut-être pas tiré sur le même en continu, mais... Ok, Rotten Baby, lui, il fait bien le boulot aussi. Bref, bref. Oh, deux sacs. Contract from below, c'est classe. Donc on a Suicide King et Joker. On va attendre voir si Joker est... utilisable. Cet étage ou pas. Honnêtement, on devrait pas avoir un deal à cet étage, mais on peut faire mieux. Parce qu'on en a eu un à l'étage d'avant, mais après, des fois, on peut, c'est possible techniquement d'avoir un deal à deux étages d'affilée, donc ça c'est cool. Ouais, ça peut être par là le boss. D'ailleurs, le voilà. Et c'est Dark One qui va ne pas poser de résistance. J'espère. Oh merde, j'ai oublié qu'il fallait qu'on finisse par le bas. Ma faute. Ma faute, ma faute, ma faute. J'en ai pris deux quand même là. C'est pas cool, on va essayer de choper un peu de vie avant de, d'aller voir le deal. Hein. Oh alors, ah, y en a pas de bombe. Ok, on a deux salles fermées. Ah non, il y a la chambre d'Isaac au début et ça, ça doit être le magasin. C'est le magasin dans lequel il y a un cœur que l'on va prendre. Bah, vous savez quoi? Ça valait le coup. Godhead. Ça dit du coup on a fini. Godhead veut dire que on va avoir les deals ouverts à tous les étages sans avoir besoin de Joker ou de pas prendre de coups. Même si on va essayer de pas prendre de coups, bien évidemment. Oh. Il a ça en... Ah, il nous snipe avec ses araignées quoi. C'est n'importe quoi. Ah, deux fois. Je crois qu'il le fait à chaque fois en fait. C'est juste que je m'en suis pas vraiment rendu compte depuis le début. Ok, toi t'es la version qui fait des attaques chiantes. C'est ça. Et tu tankes. Il a plein de vie. Il a plein de vie. Il y a bien un moment où il va mourir, ouais. Ah, il est mort, mais il m'en a mis plein la figure. Littéralement, il m'a marché dessus. C'est pas chic tout cela, c'est pas chic. Vous savez quoi? Je voulais tenter un Magic Mushroom. Puisque le jeu ne veut pas.
on va le faire à l'ancienne. On n'a pas trouvé l'item room de cet étage encore. Je me dis ça comme aide mémoire. Par contre, on trouve de la clé, et encore de la clé. Et de la clé. Ah, enfin, Ah, vous savez quoi. On tire assez vite, ça va charger assez vite. D'ailleurs, ça charge assez vite. Ça fait pas les dégâts que j'aurais espéré, mais... ça en fait. Il y a toutes les chances qu'on soit dans le bon chemin vers le boss, en plus. Ah non, ça marche pas mal quand même, hein. Avec Parasite, c'est très rigolo visuellement, d'ailleurs. Ça ressemble... ça pourrait être une salle secrète. C'est une salle secrète. On est peut-être vers le boss, peut-être pas, mais probablement. Ce serait mesquin de nous mettre un coup de sac maintenant à cette étage. Ah, c'est bon. Allez, j'oublie que j'ai Rotten Baby qui fait le boulot. Oh, double pin. Ça va pas être bon, ça. Attention. Il est mort. Non. Ah si, quand même. Des HP, dont un HP rouge, ce qui est essentiel pour pouvoir ouvrir des coffres. Je me sens un peu fouté là, sur cette histoire. Dites les gars, sortez pas comme une arnaque là. Un fort vent de vent. Depth One. Allez. Ouh, ce rebond, enfin, c'est un joueur de bière. Ah, direct, comme ça. Ah, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Une transformation Guppy avec Monstrous Lungs, ce serait classe. Malheureusement, ce n'est pas ce que le jeu a en stock pour nous. Par contre, on charge tellement vite Monstrous Lungs que c'est violent, quoi. Comme vous pouvez le constater, on écrase les ennemis. Est-ce que ça va être pareil pour lui? Eh, pas loin. J'hésite. Est-ce que je le prends ou pas? Est-ce que je peux le prendre, d'ailleurs? Oui, je peux. C'est... bien. C'est pas le coup le plus utile qu'on puisse faire dans ce jeu, je vous rassure. Fah. On a tout écrasé encore. Nous sommes trop puissants. Et il n'y avait pas de truc là-dedans, c'est dommage. Donc, cul-de-sac. À gauche, ça dit. Olé. Ah! C'est gentil. Moi je l'avais gratuitement, mais c'est gentil. Enfin, je pouvais y entrer quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il tire? Oui, il tire aussi des Monstrous Lungs. Ça c'est pas bon par contre. Tears Down. Ah, c'est pas bon ça. Ça va impacter négativement notre vitesse de charge. Très peu, mais quand même. L'incubus quoi. Il en rajoute un peu. J'avoue, avec le knockback des clous, on a les clous ici, je sais. Enfin, avec le même le knockback naturel, ça en fout partout, hein. On va prendre ça. Car j'ai mon idée. Yara. J'ai pas envie de me traîner Yara jusqu'au bout, pour être honnête. J'ai pas vraiment non plus envie de me traîner Suicide King jusqu'au bout, mais on y pense. Tears up. Mais bon, je l'ai.
On pourrait donner, on ne le fera pas parce qu'on est des gros radins. Ça s'est pas arrêté une seconde de faire le bruit des larmes. Ah, j'aurais. Oui, je vais sacrifier deux clés pour plein de bombes. Ok. Ça réussit pas à passer. Si ça. La mouche. Je me disais. Attends, le jeu. Tu fais quoi là? Ah, c'est bien, mais ça ne m'intéresse pas. Allez, je vais jusque là, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une chance de trouver la salle secrète. J'ai même une grosse chance qu'elle soit ici! Ou là! Là, vous voyez? C'est pas des paroles en l'air, hein, c'est juste que. Bah, pour le coup, la salle, l'excroissance, c'était une salle double, donc j'ai plus de chances de me planter. Tue-le! Tue-le de loin! Voilà. Y'en a plus. Ah, et ça on l'a déjà vu. Et multidimensional baby, honnêtement, c'est pas fascinant. Debstou, ton univers impitoyable. On a toujours pas d'item actif, hein, effectivement. On a un seul HP, donc Youmart ne sert à rien, effectivement. Vas-y, tombe là, tombe. L'avantage de la faire tomber, aïe, de la faire tomber ici, c'est qu'elle pète les crânes et que ça m'aide à avoir tout le diamond. Non, mais c'est bien. Ouh. Ludovico Monstros Lynx. Pas d'item actif, hein. Intéressant. Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi? L'instinct du chasseur. Oh, comme il s'est fait laminer. Hop! Et je rappelle qu'on a Parasite qui fait donc que les larmes font des larmes tout le temps. C'est magique. Non, ça m'intéresse pas. On va voir si on trouve quelque chose dans le magasin de Hush. Pour être honnête, c'est un peu mon objectif là. Allez, va pour là-haut. Bonus dégâts. Il faut savoir aussi que l'alarme là, les larmes là. Non, apparemment ça le fait plus. Bizarre. Elles ont fait un effet bizarre avec les parasites et tout. Oula, je peux pas le pousser. C'est moi où j'ai tué instantanément ces deux boss. Parce que si c'est le cas, on va s'amuser. C'est pas grave. Je fais des dégâts instantanés. C'est bien ça. J'étais concentré sur l'alarme, c'est pour ça que j'ai pris le coup, mais. Si on fait aussi mal que ça, on va aller voir Hush, y'a aucun doute. Mais bon, c'est étonnant quand même. On a eu le thermom, ouais. Waouh! Les dégâts qu'on fait. On va aussi faire boss rush à ce prix. Sauf s'il n'y a rien d'intéressant, mais. Monstros Lynx et Ludovico, apparemment ça synergise à une vitesse, peut-être aussi parce qu'on a tirs au maximum, la cadence de tir qui est pas au maximum mais très haute. Donc le Leuricose non, la Liche non, ça... Bon allez ça. Elle est où ma larme? Ah elle m'a pas suivi, ça va. Bonjour.
T'es mort. Ouais, je sens que ça va dire... Ah non, je sais pourquoi ça fait ça. Parce que chaque fois qu'on touche quelque chose, ça fait... Vous voyez les petites larmes marron qui traînent derrière? C'est Parasite qui fait ça. Et ça démultiplie fortement l'effet de mes larmes. Oh un ange. Oh un monstre qui fait des tirs en pattern à la con. Oh war. Ah putain, des fois ma larme elle dépop en fait. Il y a trop de trucs, trop de petits bloups, vous voyez, et elle a... Elle vient vers moi. Elle disparaît et elle réapparaît sur moi. C'est rigolo. Olé. Putain, il y en a combien de ces trucs là? Ouais, il va pas être long boss rush. Hein. Bien sûr, le machin qui apparaît sur moi, il a l'incubus qui lui tire dessus. Donc, et Demon Baby aussi. Quoi? Ah, je l'ai pas vu arriver le truc. Je me regardais plus du tout pour être honnête. Je regardais la position du boss. Voilà, on est... J'ai l'impression d'avoir une gomme que je balade dans le niveau, quoi. On a tué The Frail, les deux phases de The Frail, instantanément. Oh non, je suis poursuivi! Que va-t-il advenir de moi? Je crois que j'ai pas tué le masque. Ah si. Ah non. Alors. Je vais pas prendre sa pilule. Et on récupère The Soul. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais Guppy avec. Comment il s'appelle? Albinos. Guppy Albinos. Ta 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 ta. Bon, 19 minutes 48 en infinimum. C'est un meilleur run que ce que j'aurais cru avec Maggie, pour être honnête. À ce stade. Mais c'est juste le run qui est bon. Je veux dire, Maggie n'a. Aucune des caractéristiques du personnage n'a joué là. Mais enfin, ligne de compte. Hein. Pour être honnête, c'est juste que voilà, on a eu des items de psychopathe qui synergisent terriblement bien, mais terriblement, comme vous le pouvez voir là. Le creep, bordel, j'ai marché dans du creep. Tant pis pour cette clé, honnêtement. Ouais, je pense que la partie elle est oula, bien engagée. Oh, parfait. Moi j'ai rien demandé, mais. Si vous dites. One makes you larger, eh. C'est pas si grave. Je rappelle que j'ai un item actif que je n'ai pas utilisé, un trinket qui sert pas à grand chose, je veux. Mais tout va bien. Ils se sont... Ah non, j'ai cru que c'était entre-tués les deux. Bonjour Scolex. Ah, ça me dérange même pas que ce soit Scolex aujourd'hui. Ah non, il m'a téléporté ma larme sur moi tellement il a été... Tant pis. Et on est Guppy. Non, on n'est pas Guppy du tout, on a trouvé un item de Guppy. Ouh, le délire là dans ma tête. On a 9 lives, cela dit. Je vais pas me suicider avec Suicide King parce que j'ai presque full life. Et que ce serait complètement con pour avoir un item de retomber à un point de vie. Mais l'attention y est. Je suis pas de voir ce que ça va donner sur Huff, tout ça. Pour être honnête. Ça va pas le tuer instantanément, hein. faut pas rêver, mais. J'ai peur que l'alarme se retéléporte très très vite sur moi. Très très vite. Hop là. Doum, doum, doum. C'était un cul-de-sac. Merci d'être venu. Au revoir. J'aime pas les cul-de-sac. Ça aussi c'est un cul-de-sac. Oh.
brûle pour le plaisir à ce stade. Faut bien faire quelque chose de cet item, enfin. Toujours aucun intérêt. J'écrase. Là, c'était littéralement le rouleau compresseur. Bo, 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 bo. Genre, mettez-vous là, je vais tous vous écraser. Ah. Il m'a tué. Merde. Mince. J'étais fasciné par la propulsion des larmes de parasites sur le mob en fait. Il en reste ? Non, c'est bon. Est-ce qu'on est vers le boss ? Vu la distance, je dirais probablement, mais sans la carte. Toujours dur de se juger. De juger, pardon. On en met de partout. Oh alors toi mon gars. Putain il m'a despawn. J'ai mal qu'il despawn sur certains ennemis, c'est très pénible. Bon ça doit leur faire des dégâts monstrueux au passage mais oh les. Mur de larmes. Et un autre cul-de-sac. Vous savez comme j'adore ce genre de. Yeah. Oui, ça sert pas à grand chose à ce stade. L'arme à la rescousse. Ou plutôt la larme à la rescousse. Ouais, sur les ennemis invulnérables, ça fait ça. Allez, sors ta tête. Voilà. Les spawners, on va leur faire une petite histoire en deux actes. Il est où le dernier? Il est là. Eh, hey, y'a peut-être une copie Z dedans. Peut-être pas. Le machin il est pas apparu qu'il est déjà en 3 morceaux. Ouais, je suis presque sûr qu'à ce stade on peut commencer à parler de la pluie du beau temps. D'ailleurs il fait beau. Parce que. Je vois pas vraiment ce qui pourrait s'opposer à notre force de destruction. Je vais même me permettre d'entrer dans la torsion. Je suis tellement puissant. Ça ne fait qu'augmenter. Oh, Tinted Rock d'ailleurs. Oui, je voulais voir s'il n'y avait pas une salle secrète. Moralement, là, c'est du repos. Sérieusement, arrêtez. Ils font despawn ma truc, ça me. Ah, mais ça m'énerve. Ok, apparaissez-vous là. Ah, le cri. Le blanc, je peux pas le tuer tant que j'ai pas tué les autres en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, ma truc a des pop dessus. C'est. Avoir une force de frappe ultime n'a pas que des avantages. Le gars il se plaint, il est en train d'écraser tout le jeu. Oh, ça a pas que des avantages. Hein. Des fois, je dois tirer sur un ennemi pendant plus d'une demi-seconde pour le tuer. Ça c'était un boss, hein, je rappelle. On n'a pas eu la salle secrète, je crois. Bon, allez, cadeau. C'était bien la peine. Et je sais pas où je suis. Si, je sais. On n'est pas trop loin. À ce stade, je pense qu'on va, arrêter de garder ce City juste pour le plaisir. Bonjour, merci, au revoir. 25 minutes, il vous est débile. Ok. Aucun intérêt, quoique c'est plus utile que Krampus. Parce que ça dure pendant toute la salle alors que Krampus dure pendant 3 secondes. Et donc on vole, on a un autre bonus de dégâts, ce qui ne fait pas de mal. On a ce Sun qui nous permet de voir la carte, ce qui ne fait rien. D'ailleurs on va plutôt garder The Sun que The Moon. Et on a Bumbo. Que je suis très tenté de prendre. Pourquoi? Parce que c'est Bumbo. On a Firemine que je suis très tenté de pas prendre. Mais que je vais prendre quand même. Parce qu'on a Ludovico. Et on a Carbattery qui ne sert absolument à rien dans ce contexte. Mais qu'on va prendre quand même. Et est-ce qu'on prend Placebo? C'est quoi la pilule? Tears up. Placebo,
Attendez, laissez-moi réfléchir un instant. Si on a 48 Hour Energy... Perf, dommage. Speed up. Speed up encore. Je voudrais voir toute la rotation des pilules en fait. Full health. Gas up. I can see forever. Ouais, je crois qu'on a tout vu là et qu'il n'y a pas 48 hours energy. Donc on va arrêter. Est-ce que je suis à fond en tiers là? Peut-être pas. C'est quoi Tears Up déjà? C'est en haut à droite, c'est ça? Il manque 3 bûchettes. Non, c'est peut-être pas en haut à droite. Écoutez, je vois pas à quoi d'autre peut servir mon argent, donc... Non, ça doit pas être en haut à droite, je sais pas où c'est. Après on est peut-être au maximum, je suis en train de me dire. Bon allez, tant pis, on arrête de faire le pont, on reprend The Sun, on reprend le Book of Machin. Et on se casse d'ici, c'est quoi ça déjà? Ah, aucun attaque. Donc bien évidemment on craque le bouquin. Ouais, Fireman c'était peut-être une bonne idée, ça fait dépop ma larme encore plus vite. Ouais. Ouais, vous voyez, elle est revenue sur moi très très vite. Encore que, ça va. C'est rigolo ce combat contre Rush. Avouez. Allez. Faut juste faire attention à quand est-ce que l'alarme revient sur nous. Mais à part ça, c'est cool. J'ai l'impression d'avoir une grosse arme lente que je dirige en fait. Que je tire. Genre là, elle revient. Elle revient. Elle revient. Mais ça fait tellement de dégâts, ça. C'est tellement monstrueux. Là, je l'ai raté. Voilà. Ouh, continuum, j'avoue. J'étais un peu occupé, absorbé par mon truc. Ah non, des monstres! Ils vont pas vraiment survivre longtemps au passage. Ouais, Firemind c'est sale, hein. C'est un froid. Elle est où ma larme là? Elle est là. Oh zut, les rayons ils viennent du ciel! Dis donc, Hush, tu te sens pas mal? T'as pas envie d'en finir? Et c'est fini. Je voyais sa vie tomber mais en permanence. On l'a éventré le pauvre Hush. Avec Maggie. C'est... Waouh. C'était d'une violence. Ah, attendez. Ne perdons pas notre temps bêtement. La cathédrale ne sert pas à grand chose. La Fireman par contre ça me coûte cher. En temps. Non. Ouais, elle est où? Ah ben voilà, c'est ça que je cherchais. Un item de Guppy. Que je vais garder d'ailleurs, parce que c'est plus intéressant que, à ce stade que Book of Belial, je pense. Boss Rain. Pas très malin avec le, ce qu'on a comme paiement, comme charge là. Faut que je garde au moins 4 clés pour le coffre après. Boum. On va laisser tout l'argent à Bumbo, autant que possible. Parce que Bumbo is love, Bumbo is life. Ça c'est pas de l'argent Bumbo. Ça c'est pas de l'argent non plus. Désolé. Désolé mon petit bonhomme poilu. Oh, ça c'est de l'argent. Eh, on va peut-être avoir le Bumbo Max avant la, la fin.
fin de la cathédrale. Aïe. Non, pas d'argent. De l'argent. Je sais pas pourquoi ça drop comme ça quand je tape dans des trucs. Mais... pas se plaindre, hein. Ouais, réduction. Oh, j'ai pas one shot. Enfin, j'ai pas eu en une phase. Très dommage. Très dommage, machin. Je suis même pas sûr qu'il ait eu le temps de tirer des larmes, quoi. Très dommage. Oh, 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 oh. Ok, 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 ok. Alors ça, je pense qu'à ce stade, on est au maximum. Hein. Ça c'est cool, et ça c'est cool aussi. Alors là, j'avoue, j'aurais bien aimé avoir du méga stat. Temps disponible. La lame elle s'est TP sur moi et elle a explosé après. Vous trouvez ça honnête vous? Moi non. Guillotine et Epiphoria. On va pas prendre. Bon, vous savez quoi à ce stade. J'ai même un pyromaniaque à ce stade. Moi. Voilà, on a super Bumbo. On a max Bumbo. On est au maximum de la Bumboification. On a Bumboland. Ouch. Je prends des. Qu'est-ce qui m'a touché? Ah, Bumbo a dû poser une bombe. Pas bien, Bumbo. Méchant Bumbo. Et c'est. Ah merde. Oh, on s'en fout, il a fond. Bon, après, il peut encore dropper des consommables. Ça ira. Eh, remarquez. Il m'a déjà sauvé un run, Bumbo, comme ça. Faut pas croire. Et c'était un cul de sac. Tu vas prendre ta batterie, ouais. Bon. On n'est pas loin de la fin du run, ça c'est sûr. Mais il y a encore du chemin à parcourir. Enfin. Pas tant que ça. Mais... je pense que... rien que les larmes supplémentaires de... rien que les larmes supplémentaires de... comment ça s'appelle ? De parasites font tellement de dégâts. Viens par là toi. Ben il esquive. C'est téléportant. Le lâche. De quoi a-t-il peur ? Part d'une mort immédiate et sale. Bon ben apparemment ce sera avec Maggie qu'on fera les prochains runs. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi,